Le coup de foudre. Voltage. On va jouer en direct maintenant avec toi, Catherine. Salut, Catherine. Salut, Quentin. Bonjour à tous les auditeurs de Voltage. Bienvenue sur Voltage, Catherine. 28 ans de Herblay dans le Val d'Oise. T'es professeur des écoles, Catherine. Tu veux gagner de l'argent. Ça tombe bien, je suis là pour ça. Super. Voilà la première somme, Catherine. T'es prête? Allez, je suis prête. C'est parti. Allez, 51 euros. Qu'est-ce que t'en penses? Bon, allez, on va continuer un petit peu. Ça paye la partie des factures, mais pas tout à fait. Allez, on continue. 51 euros. Bon, je rappelle que si tu continues à tout moment, le coup de foudre voltage oui, peut retentir. Je comprends bien. Je comprends bien. Mais oui, je sais bien. S'envoler. Bon, on continue. On est sûr de cette décision. Oui. Oui. Allez, est sûr. C'est bon, ça marche. Yes. Deuxième palier, Catherine, il est à 178 euros pour éventuellement payer tes factures et meubler ton appartement. C'est ce que tu viens de me dire hors antenne. Oui, bien sûr. Ça va pas chercher bien loin. Alors c'est déjà une somme, certes, mais 178 euros, on pourrait peut-être avoir beaucoup plus dans la suite du coup de foudre. Qu'est-ce que t'en penses? Bon, ben oui, effectivement, ça va pas payer, ça va pas bien loin. Bon. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Quentin? Tu me conseillerais quoi? Moi, le truc, c'est ce que je vous dis à chaque fois, je ne sais pas ce qui vient après. Je suis comme vous. Pas. Ok. Donc là, tu m'as dit hors antenne que toi, tu avais éventuellement besoin de 500-600 euros pour payer toutes les factures, meubler et faire un truc sympa avec ton appartement et te faire un petit peu plaisir. Moi, je serais toi, tu as été sélectionné, vous êtes nombreux à appeler. Là, tu es avec moi en direct à l'antenne. Donc franchement, mais après, je veux pas t'influencer non plus, mais si j'étais à ta place, bon, moi, je continuerais jusqu'à mon objectif. Mais moi, c'est moi, toi, c'est toi. Voilà, 170 euros, c'est une somme, c'est vrai. Après, c'est vrai que j'ai rien à perdre, à part 170 euros. Voilà. À part ça, écoute, on va dire que bon, 170 euros, ça paye quand même une partie des factures. Je sais que ça paye pas tout, effectivement, mais bon, allez, je suis pas trop gourmande, donc je vais quand même garder ça. On garde ça et on s'arrête là. Allez. On tente pas le diable, on tente pas d'avoir plus d'argent. Je me dis, on tente pas le diable. 170 euros, c'est toujours une somme et ça peut toujours payer quelque chose. Ok, eh bien on s'arrête là. Alors moi, je suis ton choix et il n'y a pas de problème. Donc écoute, Catherine, c'est dans la poche, 178 euros. Bravo, Catherine. Merci, Quentin. Et ben voilà, ça fait super plaisir. Voltage. Les hits d'hier et d'aujourd'hui. Podcast.